La rencontre entre un autre vainqueur du Grand Chelem après la victoire il y a quelques instants de Dominic Thiem, l'Autrichien. C'est Stan Wawrinka, le Suisse, qui fait son entrée en lice ici à Metz. Il sera opposé à l'Espagnol Bernabé Zapata Mirales, joueur de 26 ans. Pas forcément en très grande forme en indoor, on va en reparler dans quelques instants. Stan the Man qui va sûrement avoir les faveurs du public cet après-midi à coup sûr. Il a été très très acclamé dès son entrée sur le court. Et écoutez l'ovation qui lui est faite, le public acquis à sa cause et pour cause justement. Il avait réalisé un très beau tournoi l'année dernière. Il avait atteint les demi-finales ici à Metz. Il avait dû abandonner en demi-finale face à Bublik, qui avait atteint la finale gagnée par Lorenzo Sonego, qui s'est qualifié pour le second tour ce matin. Stan the Man et Bernabé Zapata Mirales. Encore à l'échauffement, vous rappelez, juste le temps de vous rappeler le principe de l'audiodescription, vous faire vivre ces matchs au plus près du live avec des commentaires précis. Et pour ce faire, nous allons diviser le cours en quatre zones. Une zone en A, B, C et D. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en bas à gauche. Comme dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, un petit escargot, comme vous préférez. Pour la métaphore, c'est Stan Wawrinka qui a remporté le toss. Il a choisi de servir en premier, donc il va servir dans quelques instants. Juste le temps de vous décrire la tenue de l'Espagnol Zapata Mirales, et dans tout de noir vêtu, noir parsemé de vert fluo sur son t-shirt et son short. Stan Wawrinka est lui en blanc avec le même petit en vert un peu plus foncé, avec des petits losanges vert et lilas sur son t-shirt, notamment avec un petit tissu autour du poignet rose flashy. Stan Wawrinka qui va servir en bas du cours de la zone C vers la zone A tout de suite. À l'instant, la première dans le filet. C'est la première rencontre entre les deux hommes. On échange quelques coups de raquette avec un revers à une main, comme il y a quelques instants entre les deux joueurs, notamment Dominic Thiem. Change quelques coups de raquette là entre la zone D et la zone B. Et on a tenté un coup assez joli de la part de Zapata Mirales qui restera dans le couloir de la zone D. On avait cherché à faire un joli passing. Stan Wawrinka qui était monté au filet. Beaucoup de coups de raquette dans ce premier échange de la partie, ça promet. Et premier point remporté par Stan Wawrinka, le Suisse. Il sert maintenant assez rapidement de la zone D vers la zone B, de la gauche vers la droite. Finalement prendre son temps pour le second service. Il avait cherché le T pour le premier service, pardon. Il y avait l'aide juste avant. Premier service dans le. Justement bien servi. 126 km/h. Et elle est annoncée dehors, cette balle de Zapata Mirales dans la zone D. C'est un peu regardé entre. Pour tout vous dire, entre Stan Wawrinka, l'arbitre de chaise. Et Zapata Mirales, finalement, dehors cette balle. 30-0 pour Stan Wawrinka au service de la zone C vers la zone A, service extérieur. Ouh, le très beau retour de l'Espagnol, mais tout de suite l'amorti, pas forcément volontaire. Et derrière, le beau point de Zapata Mirales, son premier dans la rencontre. Il a juste déposé cette balle de la zone B vers la zone C, tranquillement. Stan Wawrinka, service de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Service à nouveau extérieur. Camion difficulté, Zapata Mirales, 45. 187 km/h. Chercher à plutôt taper fort plutôt que trouver une belle zone à l'extérieur. Entraîner l'adversaire à l'extérieur du court. Premier service à la droite vers la gauche. Manqué par
Stan Wawrinka, second service parfaitement au centre du carré de service. Un gros coup droit avec mis de l'effet. Il a tenté le lob Zapata Mirales. Mais c'est Stan Wawrinka qui remporte le premier jeu de cette rencontre. 1-0 pour le Suisse. On va aller rapidement désaltérer. Pas de changement de côté. 1-0. Zanorica qui réalise une bonne saison, on en reparlera hein, tout le long de cette rencontre. Tête de série numéro 8 de ce tournoi du Moselle Open, notamment dû au forfait de dernière minute de très très nombreux joueurs. On pense à Holger Rune, on pense à Félix Auger-Aliassime, on pense à Casper Ruud, Andy Murray, Hubert Hurkacz, Cameron Norrie, Tommy Paul, Arthur Fils. 13 forfaits au total. Et donc ça permet à Stan Wawrinka d'être tête de série de ce tournoi du Moselle Open, tête de série numéro 8. Zapata Mirales en bas du cours. Servi un bel échange maintenant entre les deux hommes dans la diagonale. Assez. Maintenant, on s'échange des gros coups droits. On cherche à taper fort du côté de Zapata Mirales. On se décale légèrement. On rentre au centre du terrain. Stan Wawrinka l'amène dans l'extrémité de la zone C. On insiste dans la zone C du côté de Stan Wawrinka. Et on va remporter pour le Suisse le premier point dans ce deuxième jeu. On a beaucoup insisté avec un échange coup droit dans la diagonale AC. Et on a un nouveau service de Zapata Mirales. De la zone D à la zone B. Dans le filet pour ce premier service. Espagnol. Second service, on a complètement changé de zone à l'extérieur maintenant. On s'échange des coups droits, des revers, pardon, dans la diagonale DB avec un gros coup droit cette fois-ci pour conclure le point de Stan Wawrinka, autoritaire dans ce début de match. Il s'est bien décalé. Il a vraiment gêné l'Espagnol avec son revers à une main qui lui a permis d'ouvrir l'angle, de rentrer dans le court, bien se replacer. Et derrière, il a bien pu tourner avec son coup droit dans la zone B vers la zone D. C'est parfait. 30-0. Attention pour Zapata Mirales en danger déjà sur sa mise en jeu. Servi de la droite vers la gauche. Dans le filet, pas beaucoup de premières hein, pour Zapata Mirales. Bon, vous allez me dire, ça fait que 2 points qui servent. Mais on a changé à nouveau de zone. Gros retour de Stan Wawrinka qui, avec son revers slicé maintenant, cherche à gagner du temps. Il va y avoir 3 balles de break d'entrée pour Stan Wawrinka. 0-40. Le Suisse, demi-finaliste la saison dernière ici, rentre parfaitement dans cette rencontre. Service de la gauche vers la droite à venir, de la zone D vers la zone B. Joli service. Mais beau retour encore de Stan Wawrinka qui met vraiment en difficulté l'Espagnol. Le break d'entrée de la part de Stan Wawrinka. 2-0 pour le Suisse. Belle entrée en matière au premier tour du Moselle Open. C'est vrai que Bernabé Zapata Mirales n'a pas beaucoup de bons résultats ces derniers jours. Stan Wawrinka va servir tout de suite, je vous en parle dans quelques instants. Service de Stan Wawrinka ôté, légèrement trop long. On sert de la zone A vers la zone C. Au service de belle deuxième qui a mis en difficulté Zapata Mirales qui se trompe encore sur une faute en revers. On n'a pas malheureusement les statistiques des fautes. Ça fait plusieurs fois que l'Espagnol commet des fautes directes. Savrinka a gagné tous ses points derrière sa seconde. 4 sur 4 pour le moment. C'est vrai que les premières ne passent pas beaucoup. 33% seulement. Mais derrière, il est impressionnant, le Suisse, avec une nouvelle gifle de coup droit assénée. Il était au centre du terrain et la gifle atterrit dans la zone D, le long de la ligne. Beaucoup plus puissant dans ce début de rencontre. Alors, Bernabé Zapata Mirales est plutôt un joueur de terre battue.
Majorité de ses tournois. Il a bien tourné autour de son revers, Stan Wawrinka. Déjà 40-0 dans ce troisième jeu. Et 3 balles pour mener 3-0. Entrée en matière parfaite. Nouveau, on tire la balle. Mais pas beaucoup de temps. Stan Wawrinka à servir. Il avait tenté le service extérieur. Il est pas loin du tout de passer ce premier service. Malheureusement, un petit peu trop à l'extérieur de la zone D. Le second sera lui aussi. Oh, il était, justement, j'allais vous dire, assez long. Quasiment à l'extérieur. Ce sera une double faute. La première du match pour le Suisse. Qui a tout de même deux autres balles. Pour mener 3-0 dans ce premier set. En 8 minutes de jeu. Il a tenté à nouveau le service extérieur. Bien puissant. 177 km/h. Et de l'effet en service. On échange des coups. Et le jeu pour Wawrinka, 3-0 pour le Suisse dans cette première manche. Impressionnant. Si vous nous rejoignez dans ce commentaire en audio description, bienvenue déjà. Bienvenue, bienvenue. Et puis, je vais vous expliquer en quoi consiste ce commentaire en audio description. Le but, c'est de vous décrire le plus simplement, le plus rapidement, ce qui se passe sur le cours de cet Open de Moselle, de ce Moselle Open, cours central. On a divisé le cours en quatre parties, les zones A, B, C et D. La zone A correspond à la partie en haut à gauche, la zone B correspond à celle en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en bas à gauche. Une innovation mise en place par le Moselle Open, notamment grâce au soutien du département de la Moselle. Stan Wawrinka, tête de série numéro 8, qui tient son rang pour le moment 3-0. Et Zapata Miralles qui, au final, commence à peu près comme les matchs des semaines précédentes. Il a perdu 4 fois d'affilée au premier tour ces dernières semaines, en qualification au Rolex Paris Masters. Du côté de Malaga, sur un challenger au premier tour également. À Shanghai, en Masters 1000 face à Nakashima. Et puis en 200 ATP, 250 face à Igor Gerasimov du côté d'Astana, donc sa dernière victoire tout simplement dans un circuit principal, c'était au premier tour de l'US Open face à Ethan Keane. C'est vous dire, et là il a bien servi extérieur. Derrière, Stan Wawrinka est vraiment impressionnant, il est très mobile et il gêne énormément l'Espagnol. Point à nouveau remporté par le Suisse, faute en longueur au centre du court, quasiment dans la zone C pour Zapata Miralles. Il a tenté le service sauté. Il réalise une bonne saison. Hein. Enfin, assez mitigé au final. Une bonne saison sur terre battue. Le reste, un peu moins bon. Du côté de l'Espagnol, je vous en reparlerai tout au long de cette rencontre. On va suivre avec attention. Et encore une faute directe. Je n'ai pas encore les statistiques. Je n'ai pas les statistiques des fautes directes, mais je vais me faire mes propres statistiques. Pour vous les donner en direct. Le nombre de fautes directes de Zapata Miralles est assez impressionnant. Déjà 2 dans ce jeu, 30-0 pour Stan Wawrinka. Et les premières ne passent pas non plus pour l'Espagnol. Il y a une faute, on avait à nouveau touché le filet, mais cette fois-ci la balle est sortie. On sert de la zone A vers la zone C. La balle est sortie légèrement sur la gauche, donc dans la zone D. Second service très faible, 132 km/h, ça n'a pas du tout trompé Stan Wawrinka. Il n'y a pas vraiment d'effet, il était en plein milieu. Et derrière, c'est le Suisse qui a la maîtrise de l'échange et qui conclut parfaitement en coup droit. Et qui a à nouveau 3 balles de break. 3 balles de double break pour le Suisse. Alors c'est vrai que au début de ce match, on pouvait se dire que Zapata Miralles, s'il l'emportait aujourd'hui, ça aurait été un petit exploit. Parce qu'il n'a remporté que 2 matchs en indoor dans sa carrière sur le circuit principal. De là à réaliser un début de match comme cela, on pouvait l'imaginer un peu plus serré entre les deux hommes. Puis là, il vient de remporter le point grâce à un bon service. Une bonne première qui est passée enfin pour l'Espagnol. Bien servi. Il a à nouveau
Ça y est, il a peut-être trouvé la solution. Zapata Miralles, il est monté au filet. Service volé tenté, mais le passing magnifique, il est dedans. Avec son revers caractéristique à une main. Stan Wawrinka qui double break et qui mène désormais 4-0. Dans ce premier set, on joue à peine depuis 12 minutes. Ici sur le central des arènes de Metz. Démonstration du Suisse qui est partout, très mobile. Stan Wawrinka au service de la droite vers la gauche. Il se fait prendre au service. C'est un service pas très... Si, 195 km/h, mais il était surtout sur l'homme. Ce qui a considérablement gêné Barnabé Zapata Miralles. Gros service à nouveau, légèrement trop long. 187 km/h, on avait cherché à plutôt l'extérieur de ce carré de service. Second service assuré. Et Stan Wawrinka vraiment avec son coup droit et sa puissance dans son coup droit. Mais vraiment, vraiment en difficulté. Zapata Miralles qui a toutes les peines du monde à retourner. Que ce soit les coups droits de Stan Wawrinka ou les revers. Il y a beaucoup de puissance chez le Suisse et ça perturbe l'Espagnol. Déjà 30-0. Gros service et l'ace. Ôté. Il est pris, il n'a pas bougé l'Espagnol. Il se tient la tête, il se tient les cheveux. Service à venir de Stan Wawrinka de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B, et service extérieur et nouvelle ace. 5-0 pour Stan Wawrinka qui entre parfaitement dans son Moselle Open, qui confirme son double break. On joue depuis à peine 14 minutes et des petits murmures parcourent l'assemblée, sûrement en train de commenter la performance de Stan Wawrinka. Qui depuis septembre lui aussi était un petit peu en panne de résultats, perdu au premier tour à Astana, au final comme Zapata Miralles, premier tour à Shanghai également, c'était en Masters 1000, c'était contre Lajovic, il a passé un tour à Stockholm en ATP 250, mais c'est incliné donc au deuxième tour, premier tour en Suisse à Bâle chez lui, face à Shevchenko, pardon. Et premier tour face à Dominic Thiem qui vient de s'imposer à l'instant face à Matteo Martino en 2-7 assez facilement. Il avait perdu Rolex Paris Masters contre Thiem en 3-7. Une rencontre assez plaisante également. Mais c'est vrai que cette entrée en matière elle est bonne pour la confiance de Stan Wawrinka qui était content de retrouver ce Moselle Open. Il l'a dit dans de nombreuses interviews cette semaine. Zapata Miralles en bas du cours au service de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A, avec un premier service trop long. Il est bien dedans, mais derrière la claque de Stan Wawrinka. Attention, il avait été légèrement pris parce que la balle avait rebondi contre le filet. Il a tenté l'amorti de fond de cours. Il était sur sa ligne de fond de cours, Zapata Miralles. Il s'est assez mal touché au final puisque ça a atteint à peine le filet, cette amorti. Elle vient buter en toute fin contre le filet. 0-15. Première qui ne passe toujours pas pour l'Espagnol. Stan Wawrinka, mine de rien, est déjà à 3 points du set. Belle réponse, un beau retour de Stan Wawrinka qui provoque la faute de l'Espagnol. 0-30. Et on joue depuis 16 minutes. Il y a vraiment les petits murmures hein, sur le central des arènes de Metz. Zapata Miralles, la première qui passe. Qui provoque la faute de Stan Wawrinka. Seulement 5 premiers services sont passés dans cette partie pour le moment. De nouveau une première balle qui passe. Et voilà, là il a pu enchaîner l'Espagnol. C'était propre, un beau service, un retour un peu hasardeux de Stan Wawrinka au centre du court. Légèrement mi-court et derrière la claque en coup droit de Zapata Miralles qui marque un de ses tout premiers points gagnants de la rencontre. Première qui ne passe pas cette fois-ci, de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A. Slice de Stan Wawrinka pour se donner de l'air dans la zone C. Maintenant, revers long de ligne. Et il provoque la faute et il va y avoir déjà une balle de 7 pour Stan Wawrinka. 30-40.
On joue depuis 17 minutes. Zapata Miralles au service de la zone D vers la zone B. Service extérieur tenté. Il sera légèrement à côté de la zone B dans le couloir de double. Second service à l'instant dans le filet. Oh là là, une bien mauvaise manière de commencer cette partie. 6-0. La bulle, le bagel, comme vous voulez. Stade Wawrinka qui remporte cette première manche en 17 petites minutes. Un début de match parfait de la part du Suisse. Qui réalise sa quatrième participation au Moselle Open. Première participation, tenez-vous bien, en 2007. C'était incliné face à Joe Wilfried Tsonga à l'époque au premier tour. Il avait atteint les quarts de finale en 2015. Les demi donc l'année dernière en 2022. Cette année il est de retour. C'est vrai qu'on retrouve un vrai bon Stan Wawrinka hein, cette année. 148e mondial en janvier, 53e désormais. Son meilleur classement cette saison, je crois que c'est dans le top 50. Mais il n'en est pas loin, le Suisse. Il retrouve son meilleur niveau, fait des bons résultats. Même s'il n'a pas eu des. C'était difficile aussi hein, de retourner sur des circuits un peu plus. Plus petit pour un joueur de son calibre. Évidemment, vainqueur en double de la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 avec Federer. Vainqueur de la Coupe Davis également avec la Suisse. Il reste toujours l'un des trois seuls joueurs à avoir battu Djokovic, Federer, Murray et Nadal en Grand Chelem. Avec, vous pouvez peut-être le deviner, Thomas Berdych et Joe Wilfried Tsonga. Et il est chaleureusement applaudi par le public du central de ce Moselle Open. La lumière sera assombrie. On était dans la lumière entre cet entre-deux-sept. Le public est désormais plongé dans cette lumière bleutée. Stan Wawrinka en haut du court autour des zones A et B. Il sert de la zone A vers la zone C. Avec un gros service. Au T, 189 km/h. Qui a perturbé l'Espagnol encore. Il a peut-être hésité là sur ce service, à l'utiliser, à le jouer en revers, en coup droit. À nouveau cette zone trouvée par Stan Wawrinka. La balle est bien dedans dans la zone A pour Zapata Miralles. On s'échange quelques coups de revers, notamment un nouveau coup droit, là, un gros slack. Et en plus qui est fort avec Stan Wawrinka à l'instant, qui marque déjà son deuxième point dans le deuxième set. Qu'il a cette capacité de masquer complètement. Il y avait deux côtés possibles pour jouer ce coup, soit à gauche, soit à droite, soit dans la zone C, soit dans la zone D. Il a choisi à droite dans la zone C. 30-0 déjà pour Stan Wawrinka. À nouveau une première qui passe. Derrière, il a tout le court pour ouvrir avec son revers. Il fait provoquer la faute. 40-0. Il déroule. Le Suisse passe un Zapata Miralles. Qui reste pour le moment de marbre. Oh, le beau retour pour le moment de Zapata Miralles. Et derrière, la tentative d'amorti qui reste dans le filet de la part de Stan Wawrinka. C'était bien joué ce retour de l'Espagnol. Un peu court. Il avait trompé Stan Wawrinka qui était reparti se replacer de l'autre côté, dans la zone B plutôt. À nouveau, un bon retour. Il se donne du temps là. Zapata Miralles, pardon. Il envoie ce revers dans le couloir de la zone B. Déjà 1-0 pour Stan Wawrinka. On joue depuis 21 minutes dans ce deuxième set. Déjà. Le Suisse. Mais déjà devant. Encore une fois. Stan Wawrinka qui teste la tension de ses raquettes. Il a plusieurs raquettes sur son sac de couleur vert canard. Vert un peu pâle. Il en a choisi une. Il tente à nouveau là. Il teste à nouveau la tension. Il répète ses gammes. Son esprit. Et s'apprête à aller se placer pour recevoir le service de Zapata Miralles en haut du court. Il sert de la zone A vers la zone C. L'Espagnol.
Service, première qui passe. On joue maintenant dans la diagonale AC, maintenant dans la diagonale BD. Des petits slices pour se donner du temps. Service, revers long de ligne de Stan Wawrinka. On échange des coups au fond du court là. Vraiment, personne ne rentre dans le court si Stan Wawrinka à l'instant. Il a tenté l'amorti de revers qui ne passe pas du tout et qui peine à arriver dans le filet. 15-0 pour Zapata Miralles pour peut-être remporter son premier jeu dans cette rencontre. 15-0 pour l'Espagnol. Première qui ne passe décidément pas. Échange encore des coups de raquette au centre du court. Et le coup droit de Stan Wawrinka qui est annoncé dehors. Il me semble qu'il avait demandé un challenge. Non. Il a levé le doigt. Quinza. Oui, il annonçait bien cette balle faute. Vous avez entendu, madame l'arbitre. De chaise. Le service, premier service de Zapata Miralles a effleuré la bande du filet. Let donc. On a cherché à sortir Stan Wawrinka du court. Et malheureusement, ce coup droit dans la zone D va sortir en longueur. Déjà mené sur sa mise en jeu, Zapata Miralles. 15-30. Pour le Suisse. Ah, et bien servi de la part de l'Espagnol, qui éloigne légèrement le danger. 30-30. On fait rebondir à nouveau la balle du côté de Zapata Miralles. Service de la zone A vers la zone C. On a joué dans cette diagonale, mais il se trompe encore en coup droit. Un coup qui lui est légèrement boisé, je pense, parce que vu la zone trouvée avec la faible allure de la balle, Zapata Miralles déjà mis en difficulté et déjà une balle de break pour Stan Wawrinka dans ce deuxième set. Service de la zone B vers la zone D, Zapata Miralles, Stan Wawrinka laisse jouer avec un retour plutôt flottant. On joue maintenant avec une balle assez courte de Stan Wawrinka dans la zone B. Ah, ce coup droit va sortir de la part du Suisse, largement dehors au niveau de la zone A. 40A. Pour le moment, le vainqueur de Roland-Garros en 2015. Arrive parfaitement à lire les trajectoires, même au service, hein, sur les services de Zapata Miralles. Ah, il est annoncé légèrement dehors. Avantage Zapata Miralles. L'arbitre de chaise a attendu de voir si Wawrinka allait le challenger parce que ça avait été annoncé tardivement. Il n'était pas très loin du court finalement. Il n'a rien dit. Stan Wawrinka, avantage pour Zapata Miralles. Premier service de la zone B vers la zone D. Légèrement trop long. On va assurer sur ce second service. Mais derrière, la claque en coup droit. Et maintenant, en revers, ouais, ça sort. Ce sera le premier jeu pour Zapata Miralles dans cette partie. Un partout dans cette deuxième manche. Zapata Miralles applaudi et encouragé par le public du central. Forcément, on joue depuis 26 minutes. Public qui attend un petit peu un duel acharné entre les deux joueurs. Stan Wawrinka au service, en bas du court, de la zone C vers la zone A, de la droite vers la gauche. Bien servi, 16 km/h, on a cherché une belle zone. Et derrière, c'est le Suisse qui dicte l'échange, mais il commet la faute en coup droit dans la zone A, légèrement trop long. Mais il avait dicté l'échange. Alors ce qui était assez étonnant tout à l'heure, c'était que Zapata Miralles commettait les fautes tout seul. Hein. Stan Wawrinka avait dominé, certes, dans l'échange, mais c'était l'Espagnol qui craquait en premier. Et second service de Stan Wawrinka. Ça sort en longueur de la part de Zapata Miralles. Et Zapata Miralles va se challenger. Parce que c'est vrai que cette balle n'était pas très loin. On a annoncé ça tardivement, hein, vous entendez. Le public. Et elle est dedans. Cette balle challenge.
qui fonctionne. Le point sera à rejouer, 0-15 toujours. Service Stan Wawrinka de la zone D, de la gauche vers la droite. Vers la zone B. Gros service extérieur. Pas de débat sur ce service. 196 km/h extérieur. Pata Miralles complètement pris sur son revers. La balle a flotté dans les airs pendant quelques secondes. Avant de retomber tranquillement. Dans les mains des ramasseurs de balles. On a à nouveau cherché du côté du Suisse le service extérieur. Cette fois-ci vers dans la zone A. Sert de la zone C vers la zone A. On cherche cette même zone sur le second service. Assez puissant. Il est monté au filet. Stan Wawrinka, il va conclure peut-être deux volets. Non, pas encore. On échange encore quelques coups de droit. Il y a eu un rebond. Presque deux. Stan Wawrinka est en bout de course. On est au centre du terrain. C'était chaud. Il y a un joli rallye. On n'a pas eu beaucoup depuis le début du match. On a joué à peu près dans toutes les zones du terrain. C'est Stan Wawrinka qui a à nouveau dicté l'échange. Il est monté au filet. Mais Zapata Miralles a tenté un lob. Ça n'a pas surpris Stan Wawrinka qui a pu rabattre en se matchant cette balle. Mais Zapata Miralles était bien sur la trajectoire dans la zone A. A envoyé derrière dans la zone C au fond. Et Stan Wawrinka a pu conclure derrière. En provoquant la faute. Le passing tenté par Zapata Miralles. Tout de suite bien vigilant Stan Wawrinka. Et il s'en veut. Zapata Miralles qui tape dans le filet. Et qui, il y a eu des petits murmures dans l'assemblée. Stan Wawrinka. Au service. C'est de la zone vers la zone A. Et ça sort en longueur. Zapata Miralles 2-1 pour Stan Wawrinka. Solide sur sa mise en jeu. Pour le Suisse. Dans cette rencontre, deuxième set plus accroché depuis une demi-heure maintenant. Il reste une petite minute pour les deux joueurs. L'occasion pour moi de remercier encore le département de la Moselle d'avoir permis la mise en place de ces commentaires de description, notamment c'est grâce à ce Moselle Open. Innovation. On retrouverait peut-être dans de prochains tournois. Stan Wawrinka a regardé quelques matchs de Bernabé Zapata Miralles qui a énoncé avant le match que Zapata était un bon joueur avec beaucoup d'intensité dans ses frappes, qui voulait justement imposer son rythme. Il était content de son année. Stan Wawrinka, il peut l'être. Passer de la 148e place à la 53e. Finaliste à Houma, quart de finaliste à Marseille et Rotterdam. 8e de finale aussi en Masters 1000 à Indian Wells. Zapata Miralles au service. De la zone D. C, pardon, vers la zone A, de la gauche. De la droite vers la gauche. 15-0 pour l'Espagnol. Solide sur ce premier service. Un service de la gauche vers la droite. Bien servi. Avec une bonne première. On a trouvé une belle zone. Et on provoque la faute. Côté de Stan Wawrinka, 30-0 pour l'Espagnol. Gros service sauté de l'Espagnol justement. Et Stan Wawrinka avait retourné dans un premier temps la balle. Est retombée juste derrière le filet. Zapata Miralles a bien conclu en ce match. Première fois qu'il n'est pas inquiété sur sa mise en jeu pour le moment. 40-0.
Mireles. Jeu blanc pour l'Espagnol, pour la première fois de la rencontre, de partout dans ce deuxième set. Service à suivre du côté de Stanavrika en haut du court. Autour des zones A et B. Servir de la zone A vers la zone C tout de suite. Légèrement dehors, en longueur, ce premier service. Deuxième balle, quasiment ôtée. Bien retournée par l'Espagnol, qui remporte le point. Balle sortie en longueur de la part de Stanavrika dans la zone, à l'extérieur de la zone C. En longueur. Stanavrika au service dans la zone B. Gros service extérieur. Il a pu mettre de la puissance. Il est monté au filet maintenant à l'instant. Et Zapata Mireles, la contre-amortie tentée. Et maintenant, on joue. Bien joué dans la zone D. Stanavrika. C'était presque une contre-amortie. Elle était légèrement plus longue. Elle est quand même retombée dans le carré de service. Zapata Mireles, lui, était bien planté dans la zone C. Il y a eu un petit échange d'amorti entre les deux joueurs. 15 à. Bon, le Suisse est solide hein, sur les points qui durent. Avec au moins 6-7 coups de raquette. C'est un cas au service de la zone 1 vers la zone C. Beau service, belle première. Derrière, Zapata Mireles quand même est bien présent dans le cours avec son revers. Il résiste pour le moment, mais il commet la faute dans le filet, en plein milieu du filet. Il avait été déplacé par Stan Wawrinka, que ce soit dans la zone C ou dans la zone D. Il avait bien tenu, bien résisté, notamment avec quelques coups en revers. Revers à deux mains pour l'Espagnol Zapata Mireles. Une main, on le rappelle, pour Stan Wawrinka, pour ceux qui découvriraient Stan Wawrinka aujourd'hui. 200 km/h. Ce service dehors du carré de service, justement, sert de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone D. Zapata Mireles, qui avec son revers à deux mains, rentre bien dans le cours et provoque à nouveau la faute. 30 à. Première fois que l'Espagnol est mieux hein, dans cette seconde manche. Il était tout simplement pas rentré dans la partie tout à l'heure. Puisqu'on a joué désormais le double. La durée du premier set, 35 minutes. Le premier set n'avait duré que 17. Gros service de Stanavrika a ôté 209 km/h. Imparable pour Zapata Mireles, pris sur son revers. 40-30. Pour Stanavrika, balle de 3-2. Pour continuer de faire la course en tête. Faire rebondir la balle de la zone B vers la zone D. Service à nouveau extérieur, bien puissant, 198 km/h derrière le smash. Zapata Mireles résiste et il résiste encore. L'Espagnol, il a tenté un passing génial qui reste dans le couloir de double. 3-2 pour le Suisse. Ah, c'était bien tenté, il avait bien résisté à deux gros matchs de Stan Wawrinka. Il a tenté un passing un peu inespéré. Quasiment, il est tombé au niveau du double. L'occasion pour moi, avec cette petite pause, de vous rappeler les zones de cette audio, de ce commentaire en audio description. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C on continue dans le sens des aiguilles d'une montre en bas à droite et la zone D en bas à gauche. Vous savez tout de ce commentaire en audio description, il n'y a rien d'autre à savoir. On est ensemble toute la semaine pour vivre ce Moselle Open. On est encore au premier tour avec pour le moment une très belle entrée en matière de Stan Wawrinka qui mène 1-7-0, remporté 6-0 justement en 17 minutes si vous nous rejoignez. Derrière pour le moment, c'est plus accroché dans ce deuxième set. 3-2 pour le Suisse. Qui est un peu à l'image de Dominique Thiem hein, dont on commentait le match juste à l'instant, juste avant, n'a pas été épargné par les blessures. C'est vrai que depuis 2017,
Et après, il y a eu le Covid. Il n'a pas du tout été épargné par les blessures. Le Suisse, il est mieux dans cette année 2023, notamment. Et on espère pour lui que les résultats continuent, que les résultats suivent. Service à suivre pour Zapata Miralles. Il est en haut du cours, autour des zones A et B. Il sert dans la zone C, justement. La diagonale AC. Le service n'est pas passé, le second à venir dans quelques secondes. Oh, il ne passera pas non plus. Double faute pour Zapata Miralles. Je ne me rappelle pas qu'il en ait fait d'autres. Ça doit être sa première double faute. C'est sa deuxième double faute. Comme quoi. Ah bah oui, il a fait la double première double faute à la conclusion de ce premier set. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Premier set. Porté 6-0 par Sanorinka sur une double faute, en effet. Zapata Miralles. 15 ans, il s'est bien repris, l'Espagnol, remporter le point, provoquer la faute du Suisse. Sanorinka, beau retour derrière ce service de 74 km/h de l'Espagnol qui a tenté un coup droit long de ligne qui n'est pas du tout passé. Le long de la ligne de double pour vous situer où atterrit cette balle. 15-30 pour Stan Wawrinka. Attention à ne pas se mettre en difficulté du côté de l'Espagnol qui a été solide sur la mise en jeu précédente. Ce premier service va être largement en dehors du carré de service. On sert de la zone B vers la zone D, de la droite vers la gauche. Un retour légèrement slicé pour Stan Wawrinka pour se donner du temps. Il renvoie légèrement plus court que tout à l'heure Stan Wawrinka, un peu moins de longueur dans ses échanges. On commence à mettre de la puissance du côté de l'Espagnol, vous l'entendez, c'est lui qui crie tout simplement. Un beau rallye entre les deux hommes. On est maintenant dans la zone D maintenant. Avec Stan Wawrinka, le revers, oh, il manque son smash en plein milieu du cours. Un beau revers qui lui avait quasiment ouvert tout le cours de la zone D vers la zone B. La balle remonte légèrement. Zapata Miralles, tant bien que mal, qui avait défendu ça, une balle assez haute. Stan Wawrinka avance. Et le smash atterrit dans le filet. 30 à. Bernabé, Zapata Miralles qui fait rebondir là. La balle avant son service, première balle qui passe. Et le passing derrière de Stan Wawrinka qui passe à merveille justement. Zapata Miralles avait tenté le service volé. Et ça a plu au public des arènes de Metz. Balle de break pour le Suisse. Tout à l'heure, balles de break ont été sauvées dans ce set. Une balle de break a été sauvée. Même service avec un peu d'angle et il s'est fait avoir justement par. Il y avait pas mal d'effets, 123 km/h, mais pas mal d'effets dans ce service de Zapata Miralles, de la zone B vers la zone D. Servi légèrement extérieur, ça a surpris Stan Wawrinka. Et son retour est atterri bien loin de la zone B. Zapata Miralles, justement, au service de la zone A vers la zone C. À nouveau, un retour de Stan Wawrinka presque trop long. Mais il rentre dans les limites du cours. Stan Wawrinka maintenant qui peut dérouler son jeu. Il se déplace très bien, le Suisse. Et il aligne maintenant un beau revers long de ligne de la zone D vers la zone A. Et l'Espagnol s'en veut terriblement. Il vient de balancer deux balles. Une au niveau des ramasseurs de balles et une autre dans le filet. Il s'en veut un peu, nouvelle balle de break pour le Suisse. Et pris de vitesse, Zapata Miralles. Service de la zone B vers la zone D. Dans le filet. Ce premier service, 169 km/h. On va chercher avec de l'effet le milieu du carré de service. C'est exactement la même zone qu'on va
trouver avec ce second service derrière, avec un beau coup droit de l'Espagnol dans la zone D, un nouveau coup droit de l'Espagnol dans la zone D. Cette fois-ci un revers, il a tenté la amortie de Foncourt. Stanerica est bien dessus, malheureusement, il ne redresse pas assez cette balle. Point pour Zapata Mirales qui sauve à nouveau cette balle de break. 40 à nouvelle égalité. Zapata Mirales au service dans la zone A vers la zone C. Stanerica, le beau retour, hein, légèrement slicé pour se donner du temps. Maintenant, le coup droit de Zapata Mirales dans la zone D, bien rattrapé en nouveau par Stan Wawrinka. Est-ce que ça va sortir des limites du terrain? Je crois que oui. Annoncé dehors dans le couloir, légèrement sur la gauche du cours, légèrement sur la gauche de la zone D. Et nouvelle balle de break pour Stan Wawrinka. Dans ce cinquième jeu du deuxième set. Sixième jeu du deuxième set, pardon. Premier service ne passe pas. Pour Zapata Mirales, il faudra sauver cette balle de break sur seconde. Stanerica qui rentre parfaitement dans le cours et qui assène un grand coup droit gagnant dans la diagonale DB. Et Zapata Mirales qui a jeté sa raquette de frustration derrière. L'Espagnol, assez dingue, hein. Il vient de vraiment jeter sa raquette alors que le public arrive là sur le court central des arènes de Metz. Stan Wawrinka mène désormais 4-2 et peut-être 5-2 avec ce service à suivre pour le Suisse. Il est en bas du court de la zone C vers la zone A. Premier service dehors. En dehors du carré de service, il sert de la zone C vers la zone A donc. De l'effet dans ce service, justement. L'Espagnol plutôt baladé pour le moment. C'est le Suisse vraiment qui dicte cet échange et ça sort en longueur de la part de l'Espagnol qui a encore une fois failli jeter sa raquette de frustration. Il est sur un fil là, l'Espagnol. Il regarde son box, il regarde ses chaussures, il regarde sa raquette. Il regarde Stan Wawrinka qui s'apprête à servir de la zone D vers la zone B. L'ace du Suisse, 30-0. C'est solide, c'est vraiment solide. La part du Suisse. Service maintenant de la zone C vers la zone A. Il n'est pas annoncé dehors, excepté par l'arbitre de chaise. Et il demande le challenge. Il demande le challenge. Il est dehors, en effet. Second service à suivre pour le Suisse. On a cherché l'extérieur. On a déplacé Zapata Mirales dans la zone à l'extérieur, maintenant de la zone B. Et l'amorti parfaite. L'amorti parfaite de Stan Wawrinka. En revers, en volée. Déposé dans la zone B. Et ça plaît parfaitement au public là. Des arènes de Metz qui se régalent avec le jeu proposé par le Suisse cet après-midi. 40-0. 3 balles pour mener 5-2. Gros service à nouveau. Ôté, bien rattrapé pour le moment par Zapata Mirales. Qui a bien retourné. Qui a perturbé Stan Wawrinka. Qui rend 2 balles. Ramasseur justement. Service de bas à droite vers le haut à gauche de la zone C vers la zone A. Je rappelle rapidement les zones. Zone A en haut à gauche, zone B en haut à droite, zone C en bas à droite, zone D en bas à gauche. Deuxième service de Stan Wawrinka à l'instant. Bien rattrapé par Zapata Mirales, un beau retour et c'est l'Espagnol qui met de la puissance dans ses coups droits désormais dans la zone D. On joue vraiment exclusivement entre la zone A et la zone D. Mais c'est Stan Wawrinka qui varie parfaitement avec ce revers croisé dans la zone B. Il mène désormais 5-2, l'ancien numéro 3 mondial. Et vraiment, il déroule. Pour pouvoir vous donner quelques statistiques qui montrent vraiment la domination de l'Espagnol, du Suisse. Justement, l'Espagnol qui est complètement dominé. Alors, 3 aces déjà à 0 pour le Suisse.
On a pas forcément beaucoup de premières qui passent, mais derrière quand elles passent, 80% de points gagnés derrière cette première balle. Mais surtout, la statistique qui compte, c'est qu'il y a 80% de points gagnés sur seconde, sur les points de, derrière sa seconde. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Alors que ce pourcentage, tenez-vous bien, tombe à 27% pour Zapata Miralles, pour bien expliquer à ceux qui seraient novices dans le public et qui découvriraient ça. Donc le nombre de points gagnés derrière la première balle, bah, c'est le nombre de, tout simplement, comme son nom l'indique, le nombre de points gagnés par Stan Wawrinka après un premier service réussi par Stan Wawrinka. Et donc pourcentage de gagnés sur seconde, derrière une seconde, c'est quand Stan Wawrinka fait un second service, bah, le pourcentage de points qu'il a gagné après ce second service, 80%, 12 sur 15, c'est énorme. Je répète la statistique, 27%, 4 sur 15 seulement pour l'Espagnol, complètement dominé. Dans cette partie, on joue depuis 48 minutes. Service Zapata Miralles est désormais en bas du court. Il sert de la zone A vers la zone, de la zone C vers la zone A. Il a très bien servi sur ce premier service, 15-0. Retour beaucoup trop long de la part de Wawrinka. Maintenant de la gauche vers la droite pour l'Espagnol et a servi au T. Et premier ace de la partie pour l'Espagnol. 30-0. Service de la zone C vers la zone A. Bien retourné par Stan Wawrinka qui est pris de vitesse, mais cette balle était sortie en longueur. 30-15. Faire bondir la balle. Joue de la gauche vers la droite, service extérieur de l'Espagnol. Il a plusieurs possibilités. Choisit la mortie, parfaite. Parfaitement touché la part de Zapata Miralles. En tant que joueur de terre battue, il sait toucher ses balles, utiliser les amortis. Il n'a pas beaucoup fait pourtant dans cette rencontre. 40-15, deux balles pour lui, pour revenir à 5-3. Second service qui passe, mais Stan Wawrinka était bien entré dans le cours. Et derrière son revers long de ligne, parfait dans la zone C. Et c'est dès le retour. C'est dès le retour que Zapata Miralles est pris. Très bon retour de Stan Wawrinka, bien rentré dans le cours. Il embête l'Espagnol. 40-30, une nouvelle possibilité pour lui de revenir à 5-3. Gros retour à nouveau de Stan Wawrinka qui distribue avec son coup droit dans la zone C. Égalité. Et attention, parce que si Stan Wawrinka remporte ce jeu, il remporterait tout simplement le match. Zapata Miralles, service de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A. Et le retour gagnant de Stan Wawrinka qui s'offre une balle de match sur ce service de Zapata Miralles qui va servir très très rapidement. Service de Zapata Miralles. Oh, ce sera sur seconde qu'il faudra sauver cette balle de match. Il fait rebondir la balle, il la serre. Bien retourné. Ouh, le retour de Stan Wawrinka en coup droit. Un coup de massue qui tombe juste sur la bande du filet. Il ne passe pas le filet. 40A, balle de match écartée par Zapata Miralles. Service de la zone C vers la zone A. Manqué. Il a touché la bande du filet, mais il était bien trop pas droite, trop dans la zone B. Nouveau second service. Pour l'Espagnol, on servit extérieur, on essaye de sortir Stan Wawrinka, on va jouer à l'opposé maintenant dans la zone B. Stan Wawrinka joue dans la zone D lui, et il a complètement arrêté de jouer l'Espagnol. Et c'est point pour le Suisse dans la zone C, il n'y avait plus personne sur le court du côté de l'Espagnol. Et nouvelle balle de match pour Stan Wawrinka, demi-finaliste ici l'année dernière. Première sur le T, faute, vous l'avez entendu. Second service à venir. Il sert très vite l'Espagnol. Stan Wawrinka, le revers dans la zone C. Il tente l'amorti. Zapata Miralles, bien touché, mais Stan Wawrinka est dessus. Oh, il tente le twinner. Manqué Zapata Miralles. Et match remporté par Stan Wawrinka qui retrouvera au second tour le vainqueur du match suivant entre Luca Van Hache et Botic Van der Schansloop. Van der Schansloop. Stan Wawrinka applaudit beaucoup de personnes debout dans les tribunes du cours central des arènes de Metz. Une fin de match parfaite de la part du Suisse. Zapata Miralles qui a un peu gâché sa fin de match. Sorti avec ce twinner.
et même un peu sifflé par quelques-uns des spectateurs. On va écouter son interview, une fin de rencontre avec Marc Maury. Première question, vous connaissez le protocole de l'ATP, elle sera en anglais. Je vais vous la traduire, même si Marc Maury tout à l'heure a fait l'effort de traduction. Puis on se retrouve juste après pour tirer les bilans, le bilan et les enseignements de cette rencontre. C'est une très belle entrée en matière, Stan, que tu as réalisé ici. C'est pas facile de jouer contre Barnabé. Oui, on avait bien préparé ce match avec mon équipe. C'est très très bien de commencer un tournoi de cette manière. Je me sentais vraiment bien sur le court. J'ai fait un très beau parcours l'année dernière ici et ça m'a aidé. Ça fait combien de temps ça fait, tu viens ici depuis 2007, moi ça fait depuis 2004, a dit Marc Maury. On va écouter en français bien sûr ce que va nous dire Stan Wawrinka qui parle parfaitement français. Chaleureusement applaudi. Deuxième tour face à donc soit Lucas Van Haché, soit Van de Sanchloop. Le prochain match de cette journée. On va se quitter nous dans quelques secondes, mais belle victoire vraiment impressionnante en 48 minutes de Stan Wawrinka. Un premier set expédié 6-0 face à Bernabé Zapata Mirales. Stan Wawrinka chaleureusement applaudi par le public des arènes de Metz pour son retour au vestiaire. Barnabé Zapata Mirales donc n'aura pas remporté son troisième match en indoor de sa carrière et qui confirme que cet Espagnol est très bon sur terre. Un joueur dont il faut se méfier, mais vraiment il n'a pas gagné cette saison ni sur gazon et donc pas encore sur surface indoor dans quelques secondes. Victoire donc de la tête de série numéro 8, Stan Wawrinka. On va avoir un petit jeu dans quelques instants sur le court central. Je vais vous laisser en profiter en direct. Nous, on se retrouve demain pour le troisième match de la rotation de la journée, le deuxième match. Donc pas de double, pas celui du matin. Ce sera sûrement le match autour de 15h30. Merci à tous de nous avoir suivis en audio description. Je le rappelle, innovation de ce tournoi du Moselle Open, c'est commenté en audio description pour vous, chers bénéficiaires. Et puis, notamment permis grâce au soutien du département de la Moselle, l'Eurodépartement, qu'on remercie chaleureusement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain aux alentours de 15h30 pour le troisième match de la rotation. Merci beaucoup à tous et à demain.